Petit-Bourg recevait le gagnant du prix Carbet lycéen. Cet événement, installé dans le paysage culturel guadeloupéen, engage les lycéens à participer à un contrat de lecture de décembre à février, au terme duquel le prix est décerné. Alors, il faut dire que moi, je ne suis pas une grande lectrice à la base et le prix Carabé m'a permis de découvrir des ouvrages et prendre goût à la lecture. Alors, c'est vrai qu'avec les nouvelles technologies, le téléphone, les tablettes, etc., on a tendance à s'éloigner du support papier. Mais moi, je pense qu'on ne devrait pas s'en détacher parce que la lecture peut être bénéfique. La lecture permet de voyager, de s'évader, de se construire. La cérémonie, qui avait lieu à la salle Laura Flessel, présentait l'écrivain Néhémie Pierre Dahomé, vainqueur du concours grâce à son premier roman, Rapatrié. On ne s'attend jamais à avoir les prix ou pas. Je veux dire, surtout dans ce cas-ci, à côté d'une si belle sélection que j'étais déjà content d'en faire partie, je ne m'attendais pas particulièrement, au point que je n'avais même pas regardé le verdict le jour même. Je l'ai vu 2 jours plus tard, après que des amis m'ont dit « Félicitations, vous avez le prix ». C'est un plaisir de rejoindre la liste des lauréats du prix Carbet de la Caraïbe, d'autant plus que j'ai beaucoup de compatriotes finalement dans la liste de ce prix. Hein. Il y a Edwige Dantica qui l'a eu, Daniela Ferrière l'a eu, Yann Lahens, etc., Gary Victor. Enfin, c'est un grand honneur de rejoindre le prix Carbet des lycéens avec tous ses compatriotes. Pour présenter son œuvre, le gagnant visitera le lycée des droits de l'homme, les stagiaires de l'école de la deuxième chance, ainsi que le lycée Faustin Fléret de Mornalot.